Remarquable à Basse-Pointe. Il est accueilli par le maire de la ville, André Charpentier, le sous-préfet de Trinité, Jean Almazin, et par les élèves du collège de Basse-Pointe, impressionnés par son arrivée digne de chef d'État. Mais le préfet n'aura pas le temps de parader. Direction la mairie pour une réunion de conseil municipal. Le maire et les autres élus de la ville lui ont présenté plusieurs projets. Le principal objet de cette réunion était le regroupement des écoles de Basse-Pointe, ou plus exactement la construction d'une nouvelle école qui regroupera toutes les écoles primaires de la commune. Ces dernières n'étant pas aux normes parasismiques. L'autre projet phare de la ville est la construction de logements sociaux au quartier Fombourg afin de remplacer les habitations insalubres. Parce qu'on voit beaucoup de projets sur le nord de la Martinique, ce n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche collective qui a été menée par l'ensemble des élus, que je salue ici et que je remercie, qui a été menée par l'ensemble de l'administration communale. À la lumière des données que nous avions pour pouvoir réaliser cela. Après la signature de la convention, le préfet a eu droit à une visite guidée afin de mieux visualiser le site de construction et l'état actuel des maisons. Avec tout l'éclairage. Évidemment, le projet n'a pas que des partisans. Cette gens ne voient rien du tout dans ça. Ça n'a pas d'importance pour faire un chalet, pour mettre quoi. Nous sommes tous vieux dans le fond. Il ne reste plus personne. Alors on va prendre des gens étrangers pour mettre ici là. Amen. Quand on a enlevé des grosses pierres comme ça, tout s'est fendu. Tu vois? Yo juste cassé un bec, moi là, yo dit moi que placer j'ai dit ma mère personne. Après Basse-Pointe, direction le Macouba. Le maire, Sainte-Rose Caquin, s'est réjoui de cette tutelle bienvenue. Je dois vous dire que la qualité de maire de ville, c'est difficile. On ne peut être que satisfait quand on voit l'engagement des institutions. La ville de Macouba a depuis longtemps un projet de réhabilitation du quartier Nord-Plage. Les vieilles habitations doivent être démolies et les habitants relogés en HLM avant le mois de novembre 2012. Un nouveau projet controversé. Pour moi, ce n'est pas un bon choix. C'est, comment dirais-je, il fallait peut-être réaménager légèrement, au moins, même le mur, rectifier comme mettre des grillages pour protéger contre les cailloux. Parce que moi, j'ai vécu là pendant peut-être 20 ans et quelques, il y avait des cailloux de sol tout le temps chez ma maman. Hein. Ah ouais. Moi, je suis pour. Parce que avant, je me rappelle que j'étais petit, à l'âge de 16-17 ans, il y avait un terrain de football en bas. C'est là qu'on faisait des matchs de quartier tous les dimanches. Ça attirait tous les jeunes du Macouba, c'est là qu'il y avait la vie. Tout le monde descendait. Maintenant, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus accéder, parce que la mer commence à rentrer. L'érosion de la terrasse, de la plage, tout ça, ça se fait à une vitesse grand V. Et que les gens qui sont en bas ne peuvent pas rester là. Certaines personnes ont compris, il y a d'autres qui ne veulent pas. C'est une question de sous, une question d'argent. Parce que là en bas, ils ont vécu là, ils sont tout petits avec les parents, personne ne paye rien du tout. Maintenant, pour aller à la cité, il faut payer quelque chose. On est face à des communes qui ont des projets très importants d'investissement.
ou de réaménagement de leur habitat, que ce soit pour la mise en sécurité des bâtiments publics, que ce soit pour la rénovation d'un habitat qui parfois a beaucoup vieilli. Il y a de très très gros besoins des communes. Il y a des élus qui ont de la volonté, qui ont des projets, qui ont besoin d'un appui, que ce soit un appui financier ou un appui humain en termes d'expertise et de conseils. Et moi, je me réjouis de voir que face à ces attentes, eh bien, les services de l'État, avec d'autres, ont pu répondre à ces besoins.